ديال المنتخب الوطني المغربي نسمعوا الاسئله والاجوبه ايضا اللي غادي يعطينا النادي المغربي. السلام عليكم تمام. Oui, effectivement, c'est une équipe, je pense, c'est une équipe aujourd'hui une des meilleures équipes en Afrique. On sait que la Côte d'Ivoire a pas mal de joueurs de qualité, même s'ils ont aussi quelques absents aussi. Mais il ne faut pas faire attention à ça. Nous, comme je dis, il faut se concentrer sur notre jeu. On est au Maroc, on a la chance d'avoir un beau terrain. On va avoir, je pense, un stade plein avec beaucoup de supporters qui seront là derrière nous. Donc on se doit de tout faire pour emballer ce match, pour essayer de marquer rapidement. Et voilà, moi je pense qu'on a la capacité de mettre cette équipe-là en danger. Maintenant, on a beaucoup de respect pour la Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de présenter cette équipe. On sait que c'est une grande équipe. Il va falloir être agressif et créatif aussi parce que voilà, on a vu au Gabon, on a fait un bon match nul dans des conditions plus difficiles. Mais là au Maroc, il va falloir vraiment gagner ce match. C'est déjà déterminant pour nous. الوصف ديال النادي المغربي الحالة ديال اللاعبين أيضا الاستعانة المعسكر ديال المنتخب الوطني المغربي. إذا غادي نحاول نسمع سؤال آخر ديال أحد الزملاء. إذا كاين أمور تنظيمية اللي كتسير لها المكلفة بالتواصل وغادي نسمعوا الأسئلة. غادي نسمعوا الأسئلة لكن نقطة نظام لأنه كاين بعض الإخوة اللي كيسجلوا بالهواتف ديالهم وأصارت لها المكلفة بالتواصل دنيا الحرش. والآن غادي ندوزو نسمعوا سؤال ثاني. Oui, j'ai raté le dernier match pour blessure. Malheureusement, c'est pas une surprise. Ça fait depuis 2 ans que j'ai pas mal de soucis de santé, pas mal de pépins physiques. Comme je dis, alhamdoulilah, c'est une épreuve comme une autre. Ça fait partie de ma carrière. J'ai été pendant des années tranquille. Ça fait depuis que j'étais au Bayern, j'ai connu quelques problèmes. Mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Le plus important, depuis que je suis en Italie, à chaque fois que le coach fait appel à moi, j'ai toujours répondu présent. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Après, évidemment, je fais tout pour essayer d'éviter ces problèmes. Mais voilà, les blessures, ça fait partie du jeu aussi. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai bien récupéré. J'ai joué quelques matchs depuis le retour de blessure. Donc voilà, c'est bien. Après, comme tu dis, quand tu joues à la Juventus ou que ce soit au Bayern ou dans des grands clubs, tu ne peux pas prétendre à jouer tous les matchs. En faisant ce choix-là, je n'ai pas fait des choix faciles. J'aurais pu choisir la facilité. On est des fois des joueurs plus faciles dans des pays du Golfe, etc., parce qu'on a tous envie de voir les meilleurs Marocains en Europe. Moi, j'ai fait d'autres choix et aujourd'hui, voilà, quand tu joues dans une grande équipe, il y a de la concurrence. Et le plus important, faire des bons matchs, montrer qu'on répond présent.